Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur la chaîne La Lily La Tarot. Je suis ravie de vous retrouver, j'espère que vous avez passé une excellente semaine. Voici votre nouveau tirage énergétique de la semaine du 27 mars au 2 avril. Pour les signes d'air, à savoir les balances, les Verseaux et les gémeaux. Alors je n'ai pas eu le temps de procéder à 12 tirages pour chaque signe astrologique car j'ai été très prise. N'oubliez pas qu'il s'agit d'énergie générale comme je vous le dis dans chaque vidéo. Si vous avez besoin d'un tirage personnalisé, vous pouvez me contacter sur mon site, vous avez le lien sous la vidéo dans la barre d'informations. N'hésitez pas également à vous inscrire, je vous enverrai gratuitement l'horoscope 2017 en vidéo pour chaque signe astrologique. Vous avez également le lien sous la vidéo. Alors j'utilise le Golden Universal Tarot. J'effectuerai un tirage en 3 cartes pour révéler les énergies générales de la semaine. Je rajouterai une deuxième lame du tarot des anges de Dorine Virtu pour vous donner des messages, des conseils supplémentaires sur comment aborder cette nouvelle semaine. Allez, je me concentre sur vous, les signes d'air. Donc, quels sont les messages pour la semaine du 27 mars au 3 avril ? Alors nous avons pour ce début de semaine la lame, l'as d'épée que voici. Pour ce milieu de semaine, nous avons la reine de bâton. Et pour la fin de semaine, nous avons le 3 de coupe. Alors pour ce début de semaine, nous avons l'as d'épée que voici. Qui parle de clarté. Certains d'entre vous auront besoin de clarté par rapport à une situation qui pourrait être confuse, que ce soit au niveau professionnel, sentimental ou sur le plan financier. Ça parle de commencement, ça peut parler de nouveaux projets pour certains d'entre vous. J'ai le ressenti que vous avez besoin d'avancer, de progresser par rapport à une situation qui a pu stagner dans le passé. Ça parle de nouvelles idées, ça parle de confiance en soi. Certains d'entre vous vont regagner de la motivation, de la confiance pour avancer, pour aller de l'avant. Ça parle d'action également, ça parle de logique, d'esprit pratique. Vous allez vous montrer beaucoup plus terre à terre, beaucoup plus logique, raisonné. Vous allez faire plus appel à votre raison pour pouvoir faire progresser votre situation, quel que soit le domaine. En tout cas, vous allez retrouver de l'énergie et un certain optimisme pour commencer un nouveau projet qui vous tiendrait à cœur. Alors pour ce milieu de semaine, nous avons la reine de bâton. Il s'agit d'un personnage très confiant. Vous allez retrouver de la confiance pour pouvoir mettre en place un projet, pour pouvoir vous affirmer, que ce soit au niveau professionnel, sentimental ou sur le plan financier. Ça parle de vous faire entendre, vous allez vous montrer franc, honnête et logique par rapport à l'avancée d'une situation qui a pu être problématique dans le passé. Ça parle également d'être en contact avec vos intuitions, avec vos désirs. Vous allez regagner de la confiance durant cette semaine. J'ai le ressenti que vous êtes prêt à passer à l'action, que vous êtes prêt à faire progresser une situation qui a pu stagner. Donc ça pourrait parler de la réalisation d'un projet, qu'il soit professionnel ou financier. Ça peut parler d'un personnage autour de vous qui pourrait vous influer son énergie positive et qui pourrait vous aider à faire progresser votre situation, quelle qu'elle soit. En ce milieu de semaine, j'ai le ressenti
que vous allez avoir l'envie de vous affirmer et de montrer que vous êtes là et que vous n'avez pas peur de vous affirmer par rapport aux personnes qui vous entourent et quel que soit le domaine. Alors pour cette fin de semaine, nous avons une carte extrêmement positive et c'est le 3 de coupe. J'ai le ressenti que certains d'entre vous pourraient être invités à un événement social pour cette fin de semaine. Donc ça peut parler de sorties entre amis, entre proches, ça peut parler de fêtes, ça peut parler, comme je vous l'ai dit, d'événements. Et célébrer cet événement, ça parle également de groupe. J'ai le ressenti que certains d'entre vous seraient très entourés durant cette fin de semaine. Ça peut parler de réunions amicales, de réunions familiales. Ça parle également de repas, comme je vous l'ai dit. Vous allez être conviés, vous allez être très entourés durant cette fin de semaine. Ça parle également d'une envie de vous associer au niveau professionnel pour pouvoir faire progresser plus rapidement votre projet. Ça peut parler de travail en cohésion, de travail en binôme. Ça parle réellement de joindre vos forces pour pouvoir faire progresser votre situation ou pour mettre en place un projet, une idée qui vous tiendrait à cœur. Donc l'heure sera à la fête durant cette fin de semaine. Vous pouvez compter sur l'autre. Ça parle de recevoir du soutien, des conseils avisés pour pouvoir faire progresser votre situation, quelle qu'elle soit. Alors, je vais rajouter une autre lame du tarot des anges de Dorine Virtu pour vous donner un message, un conseil supplémentaire pour cette semaine. Alors, je me concentre sur vous, les balances, les Verseaux et les gémeaux. Donc, quels sont les messages pour la semaine du 27 mars au 3 avril ? 27 mars au 3 avril. Alors, pour les messages supplémentaires pour vous, j'ai tiré la lame, l'ermite que voici, une lame majeure. Donc, le message est très fort pour vous. Je vous lis le message, justement, de la lame. Prenez le temps de méditer, enseignement spirituel, découverte de soi. Effectivement, vous allez devoir prendre le temps de la réflexion. Donc ça parle de réflexion, ça parle de méditation et ça pourrait parler de ralentissement par rapport à un projet que vous souhaiteriez mettre en place. Ici, le tarot des anges vous encourage à bien réfléchir avant de prendre une décision qui serait déterminante pour la suite à venir. Alors ça pourrait parler d'une envie de vous former ou de reprendre des études pour acquérir de nouvelles compétences et de nouvelles connaissances. Ça peut parler d'enseignement, ça peut parler d'un personnage autour de vous qui pourrait vous enseigner de nouvelles connaissances qui vous permettront d'aller de l'avant beaucoup plus rapidement et de faire reconnaître vos compétences. Ça parle du temps, ça parle d'éclairage par rapport à une situation qui a pu être confuse. Vous avez besoin d'une vision claire qui vous permettrait d'aller de l'avant. Vous avez besoin également de vérité. Certains d'entre vous pourraient mûrir certaines vérités du passé et le tarot des anges vous y encourage. Ça parle également d'avancer lentement, mais sûrement. Votre patience et la méditation seraient la clé pour pouvoir progresser et mettre en place un projet, une idée qui vous tiendrait à cœur. Alors, il peut s'agir d'un projet professionnel, comme il peut s'agir d'une relation sentimentale. Vous avez besoin de temps, tout simplement. Vous avez besoin de vous recueillir afin d'accepter de nouveaux changements qui pourraient vous permettre de prendre votre envol. Donc, ne soyez pas impatient, ne prenez pas de décision hâtive, surtout prenez le temps
de méditer, de bien peser le pour et le contre, de faire un bilan, de faire une introspection qui serait nécessaire pour la suite à venir. J'ai le ressenti que vous avez besoin d'éclairage, que vous avez besoin de rechercher la vérité par rapport à une situation confuse, vous avez besoin de clarté, d'avoir une vision claire sur du long terme, vous avez besoin de vous projeter. Cependant, pour le moment, vous devez absolument vous focaliser sur vous-même, vous focaliser sur votre projet, bien analyser celui-ci afin de prendre la meilleure décision qui soit pour vous. Voilà mes amis Balance, Verseau et Gémeaux, j'espère que ce nouveau tirage énergétique de la semaine du 27 mars au 3 avril vous aura plu. Merci de l'avoir visionné. N'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner si ce n'est toujours pas fait. Je vous souhaite une excellente semaine. Je vous retrouve très vite. Prenez soin de vous. Ciao, ciao.